putréfaction. Ah, quelle horreur. Et tu peux ajouter des lances qui tiennent contre eux, comme dans Conan, tu sais, ouais, ouais, ouais. Et tu as les corbeaux qui viennent déchirer c'est encore. Horreur. Non, c'est historique. Oui, oui, non, mais en même c'est temps... Ça qui est, c'est, en fait, c'était les corbeaux amenaient les morceaux de chair vers les cieux. Et donc, c'était un hommage aux guerriers morts sur le champ de bataille. C'est une mâche forte, quand même. On n'a jamais vu... Jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Ni dans des films, ni dans des bandes dessinées. Non, non, ni l'un ni l'autre. Allons-y, allons-y. Alors là, on y alors va. Là... J'aime beaucoup, et comme Philippe, que ça se passe ici. Par fidélité, oui. par tendresse vis-à-vis de cet endroit. Il y a eu de joyeux après-midi. C'est vrai que parfois, l'alcool aidant, on trouve des idées nouvelles, ou on ne trouve plus d'idées du tout d'ailleurs, tard dans l'après-midi. Mais c'est vraiment le Rugantino étant des creusets de Murena. Ça, je ne m'attendais pas du tout à ça, je trouve ça absolument... J'espère bien. Ah non, c'est génial. Donc, c'est schlac. Courant 96, on a eu notre première rencontre ici, dans ce restaurant, après déjà une entrevue chez un libraire qui n'est pas très loin d'ici. Où il y avait une exposition sur mes planches et M. Dufaux était invité par surprise. Je veux dire, moi j'étais surprise, c'est-à-dire que c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau. Le libraire m'a fait vraiment un petit cadeau, il m'a dit quelqu'un est là pour toi. Et puis j'ai pour la première fois rencontré Jean et franchement le courant est très très vite passé. Tu recules, tu vois, ouais. Ta caméra est là, ouais. Et vu que c'est là, ouais. Il vise. Elle vit. Leur profondeur de champ importante. Il y avait des choses qu'on aimait bien, il y avait un pays, bon il y a plusieurs pays qu'on aime bien, mais en l'occurrence l'Italie, mais on ne savait pas à quelle époque on allait situer notre histoire, on était vraiment très loin de là, quoi. Puis il y a eu cette touche, je ne sais pas pourquoi, est-ce un signe je n'en sais rien, peut-être que oui, en tout cas jusqu'alors elle nous a quand même porté chance. Et je crois que c'est un socle très important dans ce qui nous a unis. On a beaucoup parlé de notre enfance et des films qu'on aimait quand on était môme. Et on l'a fait sans complexe. On aimait évidemment les grands films, on aimait les Fellini, les Visconti, tous ces grands films italiens, mais nous adorions aussi les séries B, voire les séries Z. Massiste contre Hercule et tout ça, les 300 Spartiates et je ne sais quoi, Massiste aux Enfers. Et je crois que c'est vraiment resté des rêves de gamin, quelque part. Je ne me venge pas de lui, c'est de Rome que je dois me venger. Et la neige tombe, et tout doucement, Murena devient un monticule de neige, avec le corps d'Actée qui disparaît sous la neige. Et la caméra recule. La neige efface tout. Ça, c'est... Voilà l'album. C'est chaque fois un vrai bonheur quand je lis les pages de scénario de Jean, parce que c'est une habitude avec lui. Chaque fois, on parle en termes de cinéma et non plus en termes de BD. Ce qui fait que je visualise très vite toutes les scènes, les plans, les angles, etc. Même à la limite, parfois, les couleurs. Quand il me remet des pages de scénario, c'est quand même déjà bien décrit, bien détaillé. Il me dit encore une fois, quand je te propose un angle, etc., tu peux changer, tu peux zoomer, des choses comme ça. J'ai quand même une marge de manœuvre assez large. Mais sur les albums que j'ai réalisés avec lui, j'ai changé en tout et pour tout deux cases sur tous les albums que j'ai fait. Il connaît bougrement bien son boulot, il a quand même fait des études de cinéma.
il est très pointu là-dedans, ce qui fait que, bon, c'est, ça m'aide aussi, parce que ça facilite le travail d'un dessinateur, d'avoir un scénariste qui comprend visuellement comment tout ça se place, et en plus, qui a un œil de caméraman. Vous ne voyez pas des planches, vous voyez un film qui est en train de se dérouler. C'est un peu ça, oui. Donc, avec les zooms avant, les zooms arrière, les plongées, contre-plongées, etc. Même le jeu des acteurs, par exemple, quand je vois Jean après plusieurs planches de crayonné, généralement, on ne regarde plus le côté technique du dessin, on regarde le jeu des acteurs. C'est assez drôle parce qu'à ce moment-là, on dit « Ah, là, le casting n'a pas été bon, lui ne joue pas bien ». Donc à ce moment-là, on rectifie, ben moi je rectifie un peu le personnage, parce que ce qui est très difficile à faire, entre guillemets, c'est les expressions sur les visages, mais pas trop appuyées. Il ne faut pas faire non plus la comédia dell'arte et exagérer trop fort les mimiques, etc. Il faut essayer d'être le plus discret, le plus subtil, et ça, ce n'est pas évident, dans un œil, dans un sourire, dans un visage qui est grave, ou qui monte de la... du mépris, de la haine, des choses comme ça. Il faut essayer d'être le plus subtil possible. Vous suivez l'élaboration de l'histoire au fur et à mesure des planches ? Non, parce que je préfère la surprise. Donc bon, parfois, parce que Philippe veut me montrer ce qu'il a fait ou a besoin d'un petit conseil, et bien il me montre, mais je n'ai pas trop envie de voir en fait. J'ai envie de découvrir quand tout l'album est terminé. Alors, C'est important pour vous qu'elle vienne de temps en temps jeter un coup d'œil dans votre atelier. Mais j'aime bien, et puis c'est souvent moi, même à la limite, qui descend de mon bureau et puis qui arrive avec une ou deux planches. Souvent, ça va, ça lui plaît. Il y a des fois, il dit ça j'aime ouais. moins. Je dis t'es sûr ? Alors, des fois, notre grande discussion. Ouais. Moi, quand je travaille, c'est vrai que j'ai mon univers. J'ai mon cocon, comme je dis toujours, mon antre où je fais un petit peu mon alchimie. Il y a un côté très égoïste, très individualiste quand on travaille là-dedans. On est bien souvent une sorte de vieux loup solitaire. Vous avez besoin de votre case à vous tout seul. Oui, ça oui, de notre bulle. Sinon, on est trop en décalage par rapport à ce qu'on fait. On doit être dedans. Quand je dessine, je suis mes personnages. Je veux dire, Murena, c'est moi, Néron, c'est moi. On y met de sa personne, même physiquement, même au niveau de l'âme. Il y a une relation très intime entre ce qu'on dessine et ce qu'on est nous-mêmes. Comment ça se passe une journée quand il est dans le rush d'une bande dessinée ? Le matin, c'est tout doucement. Le midi, il se réveille, on va dire. Et l'après-midi et le soir, là, c'est plein pot. Donc c'est surtout quelqu'un qui travaille beaucoup le soir, il est en plein pouvoir de à ce moment-là quoi, et il travaille jusqu'à 2-3 heures du matin. Comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Eh bien on fréquentait la même discothèque, le Tijuana Tourné, et voilà. Voilà des jus. Passer à côté de ça, c'est un peu dommage, donc j'essaye quand même de m'octroyer du temps à lui consacrer pour pouvoir aussi ne pas passer à côté de son évolution, à côté de toutes les choses qu'il peut faire. Ce serait un peu bête de commencer ma BD et puis continuer, et puis me rendre compte qu'à un moment donné, il a 15-16 ans et que j'ai loupé certaines années. Donc ça, pour moi, c'est quand même très important, même si c'est pas évident. J'essaye quand même de préserver le cocon familial pour vraiment être bien, avoir un équilibre et avoir une vie comme tout le monde. Quoi. Je veux dire, ça c'est très important. Allez, t'es sage, hein ? À tout à l'heure. Sois prudente, hein ? Voilà. Quelquefois, il y a des personnages qui me viennent comme ça dans l'esprit. Bon, je peux m'aider d'un acteur ou d'un personnage connu.
Là, j'ai par exemple un druide guerrier, j'ai voulu utiliser en structure de base le visage de Christopher Lee, que j'ai un peu modifié, effectivement. Il y a quand même, en très grosse majorité des acteurs de cinéma, je veux dire, le personnage d'Agrippine qu'on voit dans le premier cycle m'a été inspiré par l'actrice Carole Bouquet. J'ai bien aimé cette beauté froide, glaciale, les traits très réguliers. Pour le personnage de Poppée, là, j'ai utilisé dans sa jeune époque, on est encore resplendissante, Sophia Loren, que j'ai remodifiée aussi au niveau des pommettes, la chevelure qui est tout à fait différente. Je me base souvent sur des personnages que je modifie par la suite. Le personnage de Murener, c'est un peu d'exception, lui m'est sorti de la tête comme ça. J'avais pas d'idée préconçue, prédéfinie sur un acteur, donc je me dis, bon, j'ai fait plusieurs essais, et puis bon, le résultat est là. Ça, c'est très drôle, parce que avec Jean Dufaux, par exemple, quand un personnage que l'on crée, que ce soit avec moi ou avec un autre dessinateur, quand le personnage ne le séduit pas très très fort, à un moment donné, il va le faire mourir. Quand je reçois un dessin de l'habit, j'ai une vibration. Et donc, je bouge par rapport à ce dessin. Imaginons tel personnage très secondaire dans ma tête. Il arrive, voilà. Imaginons Massam. Massam était pour moi, au départ, un personnage extrêmement secondaire. Voilà. Puis, le dessin m'arrive. Mais il m'explose à la tête, le dessin. Je me dis, c'est pas possible. Je peux pas traiter ce personnage-là comme ça, de façon superficielle, très vite. Et voilà, tu as joué ton rôle et maintenant tu retournes dans les coulisses. C'est impossible. Donc, le dessin de Delaby va jouer et va interférer dans la mise en scène globale du récit. Mais c'est ce que je veux. Je veux un scénario qui vit planche par planche, case par case. Où Jean Dufaux peut dire à un moment donné son dessin, je le cadrerai comme ça. Et où Delaby peut m'envoyer un dessin en me disant, attention, toi tu le vois comme un personnage secondaire. Mais ce personnage-là, il vit sous ma plume de façon très forte. On ne peut pas l'éliminer. Je dois respecter ce que dit Delaby. Et ça change encore des éléments de l'histoire. Un dessin de Delaby, par rapport au dessin classique, ancien, on peut le contourner. Donc, quand j'ai un personnage, par exemple, qui me parle de face, je le contourne. Je vois sa nuque. Il me présente une face, je vois la nuque dessinée. Ce qui n'est pas toujours repérable dans un dessin classique. Deuxièmement, ce que Philippe Delaby avait prêt dans ses bagages et qu'il a pu développer dans Murena, c'est le cadrage et la mise en scène de son dessin. Si on rentre, c'est bien le contraste que j'aime dans cette maison. Il y a la salle de jeu, c'est pour les enfants. Et puis, ne venez pas me dire qu'on n'aime pas le cinéma. Voilà une partie des DVD. Et alors, il faut savoir que c'est une maison où on pousse les objets pour y mettre des bouquins ou des films. Mais moi, je veux être entouré de films et de bouquins partout. Alors le bureau, il est trop petit. Ce sont les bouquins qui sont les maîtres ici, les bouquins que j'aime tant. Ici, il y a plein de classiques. De ce côté-là, et les films, les livres sur l'art, les livres sur le cinéma, et puis les livres sur les auteurs. Il faut que ça respire le bouquin, il faut que vous sentiez tous vos frères, vos cousins, vos oncles, les gens qui ont aimé l'écriture, qui ont aimé les images. Ceci est extrêmement sincère, voilà, je crois que c'est ça qui est important, c'est que tout ce qui se trouve ici est extrêmement sincère. C'est une passion, c'est un amour, c'est une amitié, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner autrement d'ailleurs. Les bouquins, partout. Pour l'ami Philippe, je suis en train de gérer une séquence de Murena et en fait, les séquences se font par deux ou trois pages.
Ce n'est pas simplement la documentation, je dois surtout faire très attention au départ à ce que c'est la rythmique de chaque dessinateur. De l'habit, une rythmique qui n'est pas celle de Enrico Marini, qui n'est pas celle de Rosinski, qui n'est pas celle de Martin Jamar, etc., etc. Donc ce qui se passe, je dois découper sur un papier millimétré, donc je prends du papier millimétré, le voici, et sur ce papier millimétré, il va représenter la planche du dessinateur. Donc ça me permet à moi d'à peu près visionner la planche qui va sortir de l'atelier de Philippe. Et je commence à découper les scènes. Ici d'abord, un premier plan. Voilà. C'est la séquence où Poppée s'approche de Néron et lui explique qu'elle est enceinte et lui explique également qu'on en veut en sa vie et que probablement Lucius Murena est l'instigateur du complot. Alors ici, on est dans des lois typiquement cinématographiques. J'ai arrêté une séquence, je la démarre. Alors je ne la démarre jamais par un plan mou, c'est-à-dire un plan, je dirais, intermédiaire. Soit je démarre par un plan rapproché, très précis, soit par un grand plan général. Les grands plans généraux, quand Philippe de Laville est fait, c'est assez spectacle, on en a vraiment pour son argent, et j'essaye vraiment de temps en temps de lui placer une telle scène. Donc ici, on va arriver dans l'appartement de l'empereur. C'est un grand plan général. Je sais déjà que sur ma planche, je vais prendre à peu près un tiers de la planche pour ça. Et donc je découpe, je commence à découper, donc je me dis je prends un tiers. Vous avez 25 cm, je vais en prendre 8 pour me laisser un petit espace. Hop, ça, ce sera la case 1. Ensuite, j'ai évidemment une succession de plans rapprochés avec un mouvement d'impératrice qui marche devant Néron et qui prépare en fait sa diatribe, ses arguties. Et je dois faire très attention à ça. Il faut qu'à un moment donné, la case où elle sort, par exemple, « Je suis enceinte », tout simplement, c'est la case où il y a un focus sur elle, c'est la case où, effectivement, la caméra se rapproche, c'est le visage suffit. Je sais que je peux le faire chez Delhabille parce qu'il a la science du regard, c'est-à-dire que chaque personnage, chaque gros plan parle. Il y a des auteurs où le regard est plus neutre, donc je dois jouer d'une autre composante à ce moment-là, ce sera le personnage par rapport à un objet ou un décor. Ici, je peux y aller frontalement avec Delhabille. La nuit tombe. Une lune puissante se lève. Ronde, légèrement menaçante. Mais je peux vous assurer que des dessinateurs comme Delhabille parviennent à vous rendre une lune soit menaçante, soit paisible. Ça dépendra de l'angle et ça dépendra de la réfraction de la lune sur les nuages et sur le sol. Donc ça c'est quelque chose, ce sont des petites indications qui donnent tout de suite au dessinateur la tonalité de son plan. Douce flingueur. Coiffure et maquillage, très intéressant. Par exemple sur la Rome antique, et des gros bouquins comme ça, mon Dieu, il y en a vraiment partout, partout, partout. Et j'ai besoin de ces bouquins. Vous avez des reconstitutions de la ville, et ça, je pense également que c'est très important. Les gants, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez évidemment l'architecture. Ça parle tout ça. Ça parle de plans comme ceci, par exemple. Voilà, moi, je vous assure, ça vous aide. Car vous promenez un personnage, et ce qui est très important en bande dessinée, on ne s'en rend toujours pas compte, c'est qu'il y a un côté théâtral, c'est que le scénariste doit toujours voir très bien, visualiser très bien, l'endroit par où entrent les personnages et l'endroit par où sortent les personnages. L'endroit où les personnages se croisent et l'endroit où les personnages ne peuvent pas se croiser. Pour cette séquence, on a besoin d'une ville gallo-romaine, donc nous sommes en France, plus ou moins dans le milieu de la France, donc on a besoin d'une ville reconstituée. Et ici j'ai un bouquin qui est vraiment assez formidable sur les voyages en Gaule romaine, avec évidemment des remparts, refaire, on va dire exactement, mais pas trop, parce qu'il y a une chose dont il faut faire très attention, c'est quand on puise un document dans un bouquin, que ce soit photographique ou une illustration, il faut toujours faire un détail qui ne figure pas
sur l'original, afin de ne pas avoir de problème de droit. Malheureusement, c'est arrivé à un dessinateur, je ne vais pas citer son nom, mais il a repris une photo pile poil, trait pour trait, et il a eu de gros problèmes de droit, donc ça lui a coûté quand même relativement cher. Donc maintenant, on peut utiliser évidemment tous les documents qu'on veut, du moment que dans cette illustration dont on s'inspire, où on dessine pas mal de choses, on fait les détails qui font qu'elle est différente par rapport à l'original. Et à partir de ça, quand j'ai ça, généralement, je travaille pendant un petit moment, je fais le décor, des choses comme ça. J'installe après les personnages. Vous avez vu qu'il y a pas mal de lignes de perspective. Ça, c'est très, très important pour avoir un dessin qui soit, comme je dis, bien assis et bien équilibré et éviter les erreurs de proportion. Pour les profondeurs de champ, des choses comme ça, ça aide énormément. Comme ici, c'est la même chose, avec un point de fuite très, très, très bas pour la plongée. J'ai toujours besoin, sauf évidemment pour ce qui est gros plan, plan de détail, des choses comme ça, j'ai pas besoin de lignes de perspective. Mais là, pour avoir un bon équilibre, une bonne construction, j'ai besoin de ça. C'est la première chose que vous faites sur la planche. Oui, les lignes de perspective sont très, 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 très importantes. Alors là, ici, ça, c'est un bouquin qui est quand même très, très important, qui a été réalisé par Gilles Chaillet, qui est aussi un spécialiste de la romantique, mais beaucoup plus pointu encore. Lui a vraiment, qui est dessinateur, qui a travaillé aussi avec Jacques Martin sur Alix. Ça, c'est un bouquin qu'il a réalisé sur de nombreuses années. Il a consacré, je pense, pratiquement 20 ans de sa vie à tout reconstituer, des plans de Rome, des maquettes, des choses comme ça. Ça nous aide beaucoup pour avoir une bonne reconstitution de la Rome antique. Et ce n'est pas évident, parce qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Par exemple, cet album, tout ce bouquin, a été réalisé déjà sur la fin de l'Empire romain. Et moi, ça se passe au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc là, il faut faire très attention. Donc j'ai ça comme référence, mais je regarde sur d'autres bouquins pour essayer d'être le plus juste possible sur une Rome qui se passe sous Néron, pour ne pas faire des erreurs. Par exemple, le Colisée, lui, n'existait pas du tout. Il a été réalisé à peu près 10 ans après la mort de Néron. Jusque maintenant, les profs d'histoire ou ceux qui ont fait pas mal de recherches, des archéologues, etc., sont quand même, dans l'ensemble, assez satisfaits de ce qu'on fait. On a souvent eu la reconnaissance, voilà. Parce que souvent, dans des lycées ou dans des universités, on a pris, et ça nous a fait vraiment plaisir, un Murena comme référence pour l'histoire antique. Et ça, c'est vraiment un cadeau pour nous. Comble des choses, c'est que je ne suis pas encore allé à Rome. J'ai fait Venise, j'ai fait Naples, j'ai vu des ruines romaines, j'ai visité Herculanum, ça c'était vraiment assez époustouflant. Mais Rome, pour moi, c'est malheureusement pas encore une chose que j'ai vécue physiquement. C'est une ville imaginaire, mais je compte bien y aller dans les 2 années qui suivent. Ouais. Il faut savoir que cela fait 20 ans que j'ai envie de raconter l'histoire sur l'Antiquité. Et quand Philippe m'a dit ses envies de péplum, d'Antiquité, et que je connaissais déjà par ses travaux antérieurs sa précision et sa technique, je me suis dit, mais voilà la rencontre que j'espérais depuis 20 ans. Et nous sommes partis sur cette envie d'explorer l'Antiquité avec 2 principes essentiels. 1. Que depuis Jacques Martin, qui avait été très très fort, rien n'avait réussi. La bande dessinée n'avait connu aucun succès depuis Jacques Martin, sur 50 ans. 2. Que si l'on présentait un scénario sur l'Antiquité, une histoire sur l'Antiquité et sur le règne de Néron, il fallait trouver quelque chose de totalement différent, novateur. Au cinéma, on dirait une prise de vue, un angle de vue différent. Il fallait que l'on place la caméra de façon différente par rapport à ce que l'on avait déjà fait et dans le cinéma, et en bande dessinée, et dans le roman. Ça, c'était l'essentiel.
Dans Murena, vous prenez quelle liberté avec l'histoire ? Tous les blancs. Tous les blancs. On ne peut pas raconter, si à cette époque-là, on ne peut pas raconter la journée d'un Romain ou la journée d'un Néron jour par jour. Donc j'ai des blancs, j'ai droit aux journées où l'on ne sait rien. On ne peut pas savoir exactement quelles furent les pensées de Néron. On a des récits détaillés, mais par des historiens qui sont venus après sa mort et qui le détestaient. Et c'est aussi pourquoi nous avons voulu mettre en place un Néron qui était très aimé au départ de son règne et qui souffre surtout d'une fatalité familiale. Je crois que c'est une des clés de Murena, c'est les enjeux d'une fatalité familiale, cette malédiction qui fait que même actuellement, même pour vous comme pour moi, lorsque l'image de la mère se substitue à l'image de l'épouse, on vit un drame, on vit une fatalité. Je crois que c'est quelqu'un qui était extrêmement positif au départ, qui n'a pas voulu ce qu'il vit et qui a vécu des ambitions par personne interposée. Je crois franchement, les historiens sont d'accord là-dessus, que l'on parle d'un jeune homme plutôt rêveur, qui avait des velléités artistiques, plutôt, qui malheureusement n'était pas au pinacle. On l'a mis devant une vie avec toute porte ouverte, avec tout pouvoir, où il pouvait faire ce qu'il voulait, il n'en demandait pas tant. Je crois que c'est quelqu'un qui était attentif forcément même au discours chrétien, car ce n'était pas un homme idiot, c'était quelqu'un qui pouvait dialoguer. La preuve, il s'est entouré de gens qui dialoguaient au début. Et puis finalement, tout doucement, vous savez, c'est comme vous, c'est comme moi, Néron, c'est vous, c'est moi. Un jour, vous faites une gaffe, on ne vous punit pas, on applaudit. Vous vous dites, tiens, vous faites quelque chose de pire, vous blessez quelqu'un. On ne vous enferme pas, on vous applaudit. Vous dites, tiens, vous tuez quelqu'un. On ne vous enferme pas, on vous applaudit. Tiens, j'ai envie d'exterminer une race. On ne vous enferme pas, on vous applaudit. Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est ancien? C'est toutes les années, c'est tous les siècles. C'est ça, Néron. Par rapport à la réalité des choses, à ce que nous en savons, par les historiens, c'était pire, bien plus cruel. Il faut savoir que la chair humaine, le corps des enfants n'avait pas d'importance. Imaginez-vous que vous vivez entouré d'esclaves, et c'est une chair qui n'a pas d'importance. La chair d'un enfant n'a pas d'importance. Un enfant qui meurt n'a aucune importance. Je crois qu'actuellement, nous ne pouvons pas aller jusque-là. Ce serait... réveiller des fantômes très malsains. Et déjà, nous avons été loin. Je le vois à certaines critiques, je le vois à certaines réactions. On s'est dit, c'était tellement violent, c'était cela. Oui, c'était pire que cela. Mais si nous avons bien effectué notre travail, j'espère qu'on peut lire par derrière encore que cette violence était encore plus forte, plus destructrice. Philippe Delaby, l'ancrage, c'est une phase délicate du travail? Non, c'est une phase technique, je veux dire purement technique, là où on ne doit pas nécessairement créer. Le crayon, pour ma part, est la phase la plus, entre guillemets, délicate, parce que c'est là où tout sort des tripes. L'ancrage, c'est vraiment, je ne vais pas dire repasser sur le dessin, parce qu'on doit aussi faire attention, y ajouter de temps en temps quelque chose, un velouté au niveau de l'ancrage. Mais c'est la partie, disons, très agréable, où on a l'esprit un petit peu plus libre. On doit avoir une grande concentration dans le crayonné, mais on en a moins dans l'ancrage. Ce qui compte dans ce travail aussi, ce sont les outils avec lesquels vous travaillez. Ah oui, c'est important, c'est très très important. Je pense qu'on dit toujours un bon artisan n'est bon artisan que s'il a de bons outils. Donc, en général, j'utilise des marqueurs assez particuliers, comme ceci, mais que bon, pas mal de gens connaissent, avec lequel je travaille tout ce qui est
murs, tout ce qui est objets inertes, donc qui ne demandent pas nécessairement un velouté particulier. Par contre, pour le travail des visages et tout ce qui est vivant, même à draper ou quoi que ce soit, j'utilise vraiment un stylo, on appelle ça un stylo pinceau avec deux embouts. Il y a un premier embout qui ressemble vraiment à un pinceau. Et de l'autre côté, c'est un autre embout où c'est un marqueur, mais avec une pointe très très souple, ce qui permet d'avoir des pleins et des déliés. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Malheureusement, ils ne sont pas en vente par ici. Ça vient du Japon. C'est ce qui donne un côté vivant au trait ? Oui, moi je trouve que c'est très important. J'ai à peu près tout essayé dans mes débuts. La plume, le rotring, le pinceau traditionnel avec le pot d'encre, etc. Et puis j'ai découvert ça un jour en faisant un voyage à Taïwan. Je suis rentré dans un magasin spécialisé en fourniture dessin et là ils proposaient vraiment une quantité hallucinante de matériel, d'objets, tout ça. Et puis bon, j'ai acheté ça, puis j'ai trouvé ça vraiment génial au niveau de l'ancrage. Et c'est ce qu'utilisent aussi les dessinateurs de comics américains. Il y a vraiment une grande souplesse, une grande facilité dans la manière de l'utiliser. Il y a un lien affectif entre le dessinateur et son stylo pinceau ? Oui, c'est important. En fait, il y a quelque chose de toujours très sensuel entre le papier et le dessinateur, le pinceau et le dessinateur, le crayon et le dessinateur. Je peux rester un bon moment, bon, plus maintenant, mais au début, avant de commencer un nouvel album, je suis heureux de prendre mon nouveau papier, de le toucher, de le palper, et puis de faire les découpes qu'il faut pour avoir la bonne dimension au niveau des planches. Et ensuite, je commence à crayonner, et là, il y a une sorte d'osmose qui se passe entre l'objet et le vivant, je veux dire l'objet inerte et le vivant. C'est assez important pour la suite des événements, pour la création. C'est une technique traditionnelle, donc c'est la couleur aquarelle. Il n'y a pas de retouche à l'ordinateur dessus. L'imprimerie m'envoie toujours deux ou trois planches en plus pour au cas où je raterais une planche. Mais jusqu'ici, ça a été sans problème. Philippe me laisse beaucoup de liberté pour les couleurs. Évidemment, quand on reçoit les planches, on regarde quelle sera l'ambiance générale d'une planche. Il me dit s'il y a telle ou telle couleur à respecter. Philippe me laisse beaucoup de liberté dans le travail. Pour vous, quelque chose de déterminant, c'est le choix du coloriste. C'est très important parce que une couleur peut littéralement détruire un dessin, détruire un album. Ou l'inverse. Et je n'ai pas eu de bol, comme on dit, depuis le début que je fais ce métier. Les coloristes, les bons coloristes ne sont pas légion. Là, je suis tombé sur quelqu'un qui est vraiment très talentueux. Comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Ben, tout bêtement, en fait, c'est un jeune homme de maintenant qui a 22-23 ans. Qui est le fils d'une collègue de mon épouse, qui est institutrice, et tout bêtement, comme ça, c'est vraiment le hasard qui fait bien les choses. C'est quelqu'un qui a une grande capacité, il comprend très très vite, il est à l'écoute, et ça je le sens tout de suite, c'est quelqu'un de passionné. Il a découvert finalement la couleur avec vous ? Il l'a découvert avec moi dans le sens où moi j'utilisais toujours, dans l'album précédent, il y a deux albums de ça, j'ai réalisé La Complainte de la Lande Perdue en couleur directe. C'est un travail fastidieux, très long, très méticuleux au niveau de l'aquarelle. C'est un peu paradoxal parce que l'aquarelle est quand même une technique où on doit travailler rapidement. Et moi, j'ai fait un petit peu ce travail à l'ancienne, un petit peu l'aquarelle façon huile. C'est-à-dire que je me mettais à l'intérieur, dans mon pot d'eau, un retardateur de séchage. Ce qui fait que l'aquarelle ne séchait pas trop vite, ce qui me permettait de pouvoir faire certains dégradés, de remanipuler, de remanier ma couleur par la suite. Et ça, il l'a découvert avec moi, et je dois dire qu'il s'est très très bien adapté. Déjà, même mes études secondaires, je les ai faites à l'Académie des Beaux-Arts à Tournai, et j'ai tout de suite enchaîné en section BD à l'atelier de Cossu. Et j'ai fait un an et demi. J'ai arrêté la deuxième année pour pouvoir justement faire les couleurs de Murena. Je pense que c'est la meilleure école qui soit d'avoir la chance de travailler avec quelqu'un comme
comme Philippe, il y a un échange qui se fait et c'est vraiment motivant pour le travail. La première partie de l'album se situe toujours à Rome, en Italie, donc avec un climat chaud, des couleurs plus fortes, plus clinquantes, plus ensoleillées. Et puis on passe en Gaule, où là on se retrouve en Gaule, comme c'est déjà là, presque l'hiver. On arrive dans la neige, le froid, et toutes les couleurs changent. Il y a deux univers radicalement différents qui sont aussi psychologiquement voulus. Parce qu'on n'a pas voulu faire ça pour faire joli, pour faire un voyage de Murena en Gaule, dans la neige, partie ski, des choses comme ça, non. Mais on a voulu vraiment faire un lien entre ce chaud et le froid, entre les choses qui vont relativement bien, aux choses qui se dramatisent, qui deviennent dures, comme les sentiments, comme les émotions. Je pense que le public, je l'espère en tout cas, percevra cette chose-là, c'est que les émotions, toutes les émotions changent au fur et à mesure qu'on parcourt l'album, qu'on suit les personnages. Il y a une évolution assez dramatique. Je pense que c'est un des albums les plus noirs de la série. Philippe Delaby, l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, vous y avez passé quelques temps, je pense. Ah oui, j'ai passé quelques années en cours du jour et en cours du soir. Ça me rappelle pas mal de choses, bien que les lieux ont quand même un peu changé. Il y a eu une évolution au niveau de l'ambiance et tout ça. Mais il y a quelque chose qui est quand même resté intact. C'est amusant et en même temps, c'est assez émouvant, je dois dire, oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de section bande dessinée ici. Non, il n'y avait pas de section bande dessinée. C'était axé essentiellement sur le dessin artistique, académique pur. Donc, toutes les bases essentielles pour avoir une bonne structure dans le dessin. Anatomie, perspective, tout ça était vraiment à l'heure du jour à l'époque. Maintenant, comme on dit, faute de temps, on s'attarde un peu moins là-dessus. C'est un peu dommage, surtout pour quelqu'un qui désire se lancer ici notamment dans la bande dessinée. Après, on en fait ce que l'on veut. On peut faire de l'underground, on peut tout faire. Mais si la base est bonne, je pense que tout est permis à ce moment-là. Être intègre. Je pense que dès l'instant où on fait un dessin, un scénario ou quoi que ce soit qui n'est pas en rapport avec nos propres émotions et notre fort intérieur, à un moment donné, ça se casse et ça se ressent. Moi, j'ai énormément de chance, parce que j'aurais pu, du jour au lendemain, parce que c'était un pari risqué de faire Murena, d'un genre qui est, déjà au niveau cinématographique, qui était désuet, c'était remis au bout du jour par les films qu'on connaît, mais j'aurais pu me casser la figure, on aurait pu se casser la figure. Et puis bon, ben, ça a pris, pourquoi ? Il y a des choses qui nous échappent, hein, je veux dire. Ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser là-dedans. C'est... Je veux dire, la bande dessinée historique... Quand tu as démarré, c'était pas vraiment ce qui était au... Non, c'était pas au goût du jour. Voilà. Non. Il n'y avait pas une vague, il n'y avait pas une mode. Ni une demande. Donc nous, au départ, on avait envie de ça. On s'est fait plaisir. On pouvait se casser la figure, mais on ne pensait pas à ça. Je veux dire qu'au départ, dès que vous prenez votre crayon, votre pinceau, quoi que ce soit, pour travailler, il ne faut pas penser, est-ce que ça, à un moment donné, ça va plaire ? Il n'y a pas un petit détail qui est oublié, rien. On se rend moins compte à l'impression d'une planche quand on regarde la BD en général. On se rend moins compte du travail, je pense, quand on voit une planche. Ouais, c'est super impressionnant. Autant le dessin que la couleur, c'est super impressionnant. Je vois vraiment une évolution dans son dessin d'album en album, où il y a un détachement, je dis malgré l'apparence comme ça, très costaud, de la reconstitution qu'il fait, qui doit lui demander pas mal de recherches, mais on sent de plus en plus de plaisir et une maîtrise sur l'ensemble de l'album, un équilibre. Et donc, rien qu'en regardant ces pages, sans le lire, avant de le lire, eh ben, ce plaisir-là est communicatif. Je pense que ça doit être un des secrets de son succès tout à fait mérité. C'est passé à Rome, sous le soleil. Donc là, ici, on est plutôt dans une ambiance avec un peu, je dirais pas ton sur ton, mais presque, parce qu'on est en Gaule, un ciel d'hiver. Donc tout ça change quand on fait ça sous le soleil ou avec une lumière dite lumière de jour. Là, il faut travailler tous les personnages, les vêtements, etc. Ça, c'est long.
C'est pas difficile, mais c'est long. Ici, j'ai connu des profs vraiment très motivants, avec un sens du beau, un sens du dessin bien fait, du beau travail. Je pense que c'est essentiel. Un petit peu comme on forme des artisans, le goût du dessin bien fait. Et je pense que j'ai gardé ça, j'ai gardé ce plaisir également. Bon, j'ai eu un cours du soir qui était assez formidable avec un dessinateur et un peintre qui s'appelait Jean-Louis Pion. Il se reconnaîtra si jamais il voit ce reportage, mais c'est quelqu'un qui était assez essentiel pour moi, à savoir qui m'a donné le goût du travail avec passion, de donner corps et âme à ce qu'on fait. Et je pense que c'est à partir de là que vraiment la passion m'a mordu, m'a dévoré, et c'est toujours comme ça maintenant. Et je pense que ça, je le remercie beaucoup. Est-ce que tu penses quelquefois, quand tu dessines, à l'idée que pourrait représenter ta planche en réduction dans un album? Je dis ça parce que quand tu as des détails extrêmement petits, à un moment donné, même si ça peut être très bien comme ça, mais à un moment donné, quand c'est réduit au format de l'album, ça peut être perdu. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas penser au lecteur dans le sens où est-ce que ça va plaire ou pas. Mais il faut quand même penser à ce que le lecteur peut voir. Ce qui était assez drôle, c'est qu'à un moment donné, au cours du soir, on avait cours de modèles vivants, à savoir de modèles féminins nus. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais 14 ans et il fallait quand même 16 ans pour pouvoir rentrer dans ces cours-là. Mais pour la petite anecdote, au départ, j'étais en première année de cours du soir, mais le prof m'a fait passer directement en quatrième année, ce qui fait que je me suis retrouvé avec des gens qui étaient plus âgés que moi, voire nettement plus âgés. Ça allait de 25, 30 à 40 ou 60 ans. Donc je me suis retrouvé effectivement dans ce genre de cours. Et quand ma mère a regardé un petit peu les dessins que je faisais dans ma farde, elle m'a dit, c'est quoi ça? Ben, je dis, ce sont les modèles qui viennent poser. Elle dit, comment tu dessines des femmes nues? Alors évidemment, là, c'était tout un chamboulement. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Ben, là, j'ai fait carrément des études à l'imprimerie de Don Bosco, qui est tout à fait différent. Ceci ne m'a pas desservi, parce que dans le lettrage, par exemple, ça m'a appris à maîtriser quand même un bon lettrage. Mais c'est tout, je veux dire, mes bases essentielles et mon goût pour le dessin restaient ici à l'Académie. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un parcours qui s'est fait comme ça. Par la suite, quand je lui en ai encore parlé maintenant, on en rit ensemble, je veux dire. Donc finalement, vous êtes presque un autodidacte en matière de bande dessinée? Oui, en matière de bande dessinée, oui. J'ai appris tout sur le tas, en lisant beaucoup, en étant curieux de ce que font les autres. Ça, c'est très important. Et j'ai eu cette chance de rencontrer aussi les bonnes personnes. Ça, c'est vrai. Dans combien de langues Murena est traduit? Ben, je vais essayer de recompter. Je sais que bon, il est traduit en néerlandais. On le trouve en Hollande, on le trouve en Allemagne, en Suisse, au Canada. Aux États-Unis, ça c'est encore une autre paire de manches, parce qu'on n'est pas dans leur même mode de pensée. Et puis le fameux comité de censure qui passe par là, et un album comme Murena qui a été traduit là-bas, est passé par la censure, ce qui fait qu'on a un album très curieux, complètement modifié au niveau même du graphisme. Ils se permettent de mettre des caches ou de gommer certaines choses. Tout ça parce qu'il y a de la nudité dans Murena. Ça veut dire que les Américains ont rhabillé vos personnages? Oui, carrément, carrément. Alors quelquefois, c'est assez hallucinant. Dans une même planche, vous avez le personnage de Balba, qui normalement, bon, est, au début de l'album, est nu dans l'arène. Ils lui mettent un pagne. À la case suivante, ils lui mettent une jupette. Et la case d'après, c'est carrément une robe plissée style de Demoiselle de Rochefort, c'est hallucinant. Dans cette dernière planche, il y a une seule case centrale où il y a toute la tristesse du monde qui s'abat sur Murena. Un déluge de neige qui tombe comme ça et qui essaye de nettoyer toute cette violence. Et c'est à ce moment-là que Murena doit réfléchir à ce qu'il doit faire maintenant par la suite. Quand il va repartir évidemment sur Rome,
Autant au début de la série, Murena était quand même un ami de Néron. Je pense que les liens sont brisés. Et là, maintenant, ce sera un personnage qui sera mis un peu plus en avant et qui sera beaucoup plus vindicatif que dans le passé. Pour Philippe Delaby, est-ce que c'est aussi l'album de la maturité ? Ça, je ne sais pas, parce que la maturité, au niveau graphique, je ne sais pas si je l'ai. J'espère que non, parce que ce qui permet d'évoluer toujours, parce que moi, je suis toujours à la recherche de faire mieux. Je me pose toujours des questions. Je dis toujours le plus bel album sera le suivant. Mais il y a quelque chose de particulier dans celui-ci, c'est que je le trouve de bout en bout, de la première planche à la dernière planche, complet. Mais ça n'a pas été fait dans la difficulté, ça a été fait dans... Je pense qu'en plus, cet album a été plus rapide de tous les Murena. Je l'ai réalisé en un peu plus de 11 mois, à côté des 15 habituels. Donc c'est plus rapide. Et à côté des 26 mois passés sur la complainte d'Hélène Perlu, ça c'était assez long. Est-ce qu'on se projette dans le futur en tant que dessinateur ? Là, vous êtes à la moitié de la série. Vous imaginez, encore pendant 6 ans, vous êtes dans Murena. Et je me vois vraiment arriver au 12e album avec quand même du regret, parce que quand on quitte des personnages qui nous ont familiers pendant un an, il y a une certaine tristesse qui passe, bien sûr, mais je veux dire... Il y a un lien affectif, comme je dis toujours, comme tout à l'heure, avec le papier, tout ça. Il y a toujours ce lien affectif et émotionnel dans ce que je fais. Donc les personnages que je ne vais plus dessiner, ça me fera un peu quelque chose, c'est vrai.